J'ai l'immense privilège et honneur de diriger ce parc avec Chris. C'est la 17e année qu'ils sont là. Je vous demande d'applaudir très très fort. Ils sont deux, mais il n'y en a qu'un qui est là aujourd'hui. Vous verrez Alain ainsi que... Il est là, c'est le restaurant La Tolle. Est-ce qu'il y a des papas qui veulent faire plaisir aux mamans cette semaine? Lavez la main. En tout bien, tout honneur. Lavez la main, les mecs. Oui, la Belgique. Ça va, mon petit Belge? Tu vas bien? On est de retour. Il n'y a que ça, il n'y a que deux papas qui veulent faire plaisir aux mamans cette semaine. Bravo. Oh, là, je vous applaudis pas. Il y en a que deux sur le troisième. Également massage la avec Barbara. Et ça, ça se trouve juste à l'entrée du parc, en face les clubs enfants. C'est ouvert du lundi au vendredi. Vous pouvez aller les voir. Onglerie, massage, épilation, etc. Voilà, les massages avec Barbara, tonique détente, c'est évidemment sur rendez-vous. Étirement, yoga. Je sais que Laetitia ici, on a une vraie professeure de yoga. Eh oui, elle est là. Va nous donner des renseignements. Ça va, Laetitia? Encore, t'as pris rendez-vous avec Margot pour demain? Voilà, c'est demain matin le yoga. Mais j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour les équipes ménage, maintenance, ah oui, espace vert qui entretiennent toute la carabasse. Okay, we'd just like to say a big thank you to all our teams that work here in the carabasse. We're over 100 people that work here. Ça va, Lette? Les enfants sont dans l'air de jeu, s'éclatent comme des fous. On va commencer, on va marcher. On marche rapidement. On peut faire un temps ici aussi si on a envie, si c'est bien en face de moi. On va faire péter les watts là parce qu'on va s'endormir. Au centre de pied, et go! Et nous voici en train de tester, dès le premier jour, le restaurant. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce restaurant? Une pizzeria. Des pâtes. Mmh. Et moi? Bonne soupe de poisson de lait. Nous sommes à la plage, Vias Plage, qui se trouve à 800 mètres à peu près du camping. On peut y aller à pied, c'est à peu près un peu plus, 1 km, 3,5 km. Ou alors en voiture, on a pris la voiture, il y a des petits parkings, on a pu se garer facilement. Voilà, et vous, vous faites un mur, pour l'instant c'est un petit mur, mais on va le remporter plus d'été après. Je veux pas, Quelle femme, il n'y a plus que toi qui fais. Je suis adon, je suis une gamine, je suis pas une femme, je suis une gamine. Vas-y, retourne d'un coup. Non, c'est un peu sec. Ah mince. Le château a super bien avancé. Regardez, il y a maintenant les 4 tours et il n'y a plus que les tessiers. Alors le loto, je me fais un peu charrier. Voilà, je peux commencer à faire à nous, hein. T'es en charge des nounous en plus. Et c'est parti pour le loto. Alors montrez-moi vos grilles, les enfants. 18 euros. Bon, il a rien compris aux règles du loto. Alors moi, je veux gagner le barbecue avec ma nouvelle maison. Madame, ou alors le flamingo. Eh bien. Yeah. Je suis en train de faire ma petite sélection. Donc moi, j'aimerais bien gagner à toutes soit les le flamingo, qui regardent cette vidéo, soit... J'en appelle à la France à se soulever. Ne vous laissez pas faire par l'oligarchie qui est en marche. Soyez fiers de vos couleurs. Et puis on est champion du monde. Ouais, ah, ah, deux qui sont champions, passe, reste, passe, on est champion du monde. Non, personne. Ici, on est en train de faire...
On a rien là, c'est n'importe quoi ce jeu. On avance, finalement c'est l'absente, Laetitia, qui en a le plus. C'est encore pas nous, on n'a pas encore gagné. Mais on va gagner. On va avoir le carton plein, vous allez voir. Bien sûr, si c'est toujours un skip. Bon bah voilà, c'est toujours pas nous pour le carton plein. Bon bah mon flamant rose il est parti. Maintenant c'est pour le barbe hyper important pour ma maison. Et on fait un loto-corps, c'est-à-dire que si on tombe, il y a un chiffre de notre, carton qui tombe, on doit le retourner. Pour l'instant, c'est bon, il m'en reste un, donc je reste debout. Et tous les gens, ouais, il m'en reste deux. Et en fait, dès qu'on a, on retourne nos, tous nos cartons, on doit s'asseoir. Voilà. Pour l'instant, on a encore deux. Hein. Mince, tu vois. Mince, Laetitia là. Mais le mien, non. Ouh, j'ai pas un chiffre. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Et voilà, c'est terminé pour moi. Je me suis connectée à l'univers, il n'a pas aimé. Je sais pas. Voilà. Et 1, 2, 3, musique. Hugo, Mona. Regardez-moi, regarde Hugo. T'es à fond, mon chéri, t'es à fond. Oh, c'est Loulou. À toi. Bravo, ma puce. Wow, elle est trop fière. Et quand les enfants sont couchés, il y a l'after. Alors, avec Laetitia. Voilà, on se relaie toutes les 30 minutes, 45 minutes. Il y en a une qui retourne garder les enfants et l'autre qui vient. Et c'est super sympa en fait quand c'est fini au bord de la piscine, quand les animations sont terminées. Il y a quand même l'after jusqu'à je sais pas quelle heure d'ailleurs, ici au restaurant L'Atoll. Et c'est sympa, tout le monde danse, il y a même des princesses, vous allez voir. On a même une princesse au restaurant L'Atoll. Waouh, elle est trop belle notre princesse. Et donc du coup, juste à côté de notre camping, il y a plein de jeux pour les enfants. Juste à côté du Luna Park, là, vous avez Dino Land pour aller jouer dans des jeux d'eau, etc. Dino Park, enfin tout sur le thème des dinosaures. Ça va être super bien. Il y a énormément de choses à faire, notamment le canal du Midi, les enfants peuvent conduire leur propre bateau, etc. Mais pour l'instant, on va profiter des jeux d'eau, il fait hyper chaud. Je suis Joe, profession aventurier, spécialisé dans les nuits perdues et accessoirement guide au Dino Park 2. Je vais vous faire partager mon aventure et la découverte de ce merveilleux monde perdu de l'ère des dinosaures et de la préhistoire. Ah, ils sont nés les bébés. La 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 la
club enfant. C'est quoi ton préféré? Parce que regarde, il y a Montre-moi ton maquillage. Il est trop beau. Trop belle. Et voilà, Hugo retourne au club cet après-midi, ce vendredi, le dernier jour, pour préparer le spectacle. Et ça y est, le show se prépare, les enfants sont en train de tous être maquillés, déguisés, pour pouvoir entrer sur scène. C'est au tour d'Hugo dans quelques instants. Regardez, les valises sont prêtes, elles sont là, on a enlevé tous les draps, on a tout mis dans un coin, voilà. C'est vrai que là c'est pratique parce qu'on a choisi l'option ménage, et en fait sur internet quand on commande c'est à 80 €, c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est un confort quoi, de se dire on prend les valises, on s'en va, on fait le minimum, c'est-à-dire la vaisselle, ramener les poubelles, jeter les poubelles et puis laisser dans un coin tout le linge sale et hop on s'en va quoi. Parce que c'est vrai qu'après une semaine comme ça, ou même si on s'amuse, c'est génial et tout, c'est un peu fatigant. Et voilà, et absolument le réserver sur internet parce que sur place ça double presque le prix, c'est 80 € et sur place 130 €. Nous on avait d'office un lit bébé ici, je sais pas pourquoi, ils ont cru qu'on venait avec un bébé. Mais c'est des options aussi, vous pouvez prendre le lit bébé, vous pouvez prendre la chaise haute, la baignoire aussi pour le bébé. Il y a plein d'options comme ça au cas où vous casseriez je sais pas, la porte du frigo, etc. Vous avez une assurance objet, dommage, etc. Voilà, il y a plein d'options, réfléchissez à vos besoins à vous. Moi mon besoin c'est le ménage en fin de séjour.
On remercie Benoît, le directeur du camping de la Carabasse, qui est pour beaucoup pour cette belle semaine de tous les vacanciers. Merci. Parce qu'il fait un travail de folie ici. Il est hyper gentil, il connaît tout le monde. On ne sait pas comment il fait parce qu'il y a 5000 personnes. Mais dès qu'il croise quelqu'un, c'est on serre la main, on est proche des gens, etc. Et je pense que c'est ça l'ambiance d'ici. C'est l'ambiance de tout le monde. Les vacanciers sont heureux. Les animateurs sont heureux, tout le monde est heureux. Ok, et en partie grâce à Benoît. Et non, on était content de vous avoir avec nous cette semaine. Merci d'être venu. Bah, et on a plaisir, même vu, on a envie de revenir maintenant. On a même vu Hugo sur la scène alors qu'il voulait pas. Ouais, génial. Exactement. Le petit touché. Hugo, évidemment, le petit Angie, vous connaissez de toute façon. Ah bah je crois que là, il n'y a pas besoin de préciser. Voilà. Donc, à très bientôt et vous êtes les bienvenus, hein, quand vous voulez. Okay. Venez tous à la Carabasse, ouais. Allez, l'année prochaine. On n'arrive pas à faire partir les enfants, on y va maintenant. Allez, on y va. C'est impossible, ils s'enfuient, qu'on fait comment? Les filles, on y go, allez, on s'en va. Un dernier. Non, pas un dernier. Non, mais ça fait 15 fois qu'ils nous disent un dernier, moi j'en peux plus. Hein. Il faut y aller là. Non mais regardez-moi, Angélique, il faut y aller. Faut dire que les enfants se sont éclatés de chez éclatés. Regardez les infrastructures qu'il y a, ils sont comme des fous là-dedans. Et le club enfant, il était génial, même Hugo veut jamais aller au club enfant, jamais. Et là, je préférerais d'adapter 10h midi, 16h, 18h, donc tu profites quand même des moments avec ton enfant, mais t'as pas à te lever tôt le matin, il n'y a pas les contraintes du lever, etc. Genre nous, on se levait à 9h30, à 10h, on est au club et ça, c'était chouette. Donc voilà. Non, donc vraiment, première pour moi, très beau camping, belle infrastructure, une piscine vraiment géniale, agréable, conçue pour les enfants. C'est vraiment un camping que je recommande pour tous et principalement pour les familles, pour les enfants. L'équipe d'animation, elle est au top, au taquet du taquet. Gros big up à l'équipe d'animation, c'est vraiment génial. Ouais, il y a une ambiance en fait. Continuez bien, j'ai envie de dire. Mais oui, et franchement, sincèrement, c'est pas parce qu'on a été invité qu'on a dû tester le lieu. C'est avec le cœur qu'on fait. Ouais, c'est vrai. C'est des gens, il y a une ambiance, il y a une synergie, il y a une harmonie, il y a quelque chose ici de spécial. Et d'ailleurs, tous les gens qu'on a rencontrés, tous les gens à qui on a parlé, ils sont souriants, ils sont gentils. Ils reviennent. Bienveillants. Et ils reviennent chaque année. On a même rencontré une maman qui a dit ah bah moi je viens avec mes enfants parce que je venais quand j'étais petite avec mes parents. Et en fait, tous les gens à qui on a parlé, ils viennent depuis 10 ans, 15 ans. C'est pas par hasard, je pense. Donc, le camping de la Carabasse, retenez bien, le camping de la Carabasse à Villas. Carabasse, Villas. Près de Cap d'Agde. Voilà, bisous à tous. Allez, amis, évidemment.